Hey! Euh, bonjour! Bonjour Albatros. Albatros! Bonjour Anis! Bonjour Robibi, Unmasked Self! Bonjour euh, Yasmog, Feuflarage, Yanis! C'est fou, hein? Je veux vous dire quelque chose, je ne fais rien de la journée. Je dors, je me lève tard, je me couche pas trop tard et j'arrive à être crevé, quoi! Salut Mali! Salut Vixco! Salut Reklai! Salut Gronulf, Quentin Vespero, Alfonso de Fortago! Lulu Bonder, Kazakioma, euh, Pacific Rim avec une cigarette empaillée. D'accord, François Courtis, je lui dis. Je pas. Et je dois vous dire quelque chose, c'est que euh, euh, je vous ai, je ai dit l'autre jour que je m'étais fait vacciner, première dose. Et en vrai, j'ai douillé. Hein. Je vais vous dire quelque chose, c'est qu'il paraît que les vieux, ils n'ont rien. Et moi, je suis encore un. Avec des, avec des gros guillemets, je suis encore un jeune. Kratuel je s'est je fait vacciner. Voilà. Je dis pas pourquoi, mais bon, voilà. Mais moi aussi, j'étais vacciné. Et, euh, et elle, elle a douillé ultra dur. Et moi, j'ai douillé dur. Non, elle a douillé ouais, ultra dur. Alors, euh, moi, j'ai douillé dur, dur, dur. Mais après, moi, je suis super douillé, quoi. Il <laughs> y a ce mug, je, je me lève à 13h, j'arrive à travailler. Que deux heures. Je suis allé, à, je suis allé à vers 18h dans un parc tout à l'heure. Voilà, donc, je ne sais pas trop. Et euh, donc, je voulais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Première chose dont on parle. Ouais, première dose. Ouais, première dose. Salut, Lorca. Euh, on commence à avoir un Sampai Sponsor qui arrive. Voilà, JDC, JDR. Et la question se pose de comment on intègre Sampai Sponsor. C'est-à-dire qu'on peut faire… Alors, et si on trouve un sponsor euh, type Alors, c'est pas de l'alcool, la, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Disons Mercedes, OK Disons que voilà, les voitures, les, la, 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 la société Mercedes qui fait des voitures veut sponsoriser Game of Thrones. Donc il y a plusieurs choses à faire. On peut dire, ouais tiens, des matelas. Non les matelas, Mercedes c'est un peu sale, tu vois, c'est un peu les voitures qui polluent, tu vois. Les matelas, voilà. Ah, ça fait un... Alors, il euh, y a plusieurs choses. Donc, première chose, on peut, on peut genre au début de l'émission... Dire, bah voilà, l'émission elle est sponsorisée par Mercedes, font des voitures, achetez une Mercedes s'il vous plaît, ça nous ferait plaisir. <laughs> on pourrait faire ça. C'est bien, mais c'est pas top, on est d'accord. Il y a une solution qui serait de, de, euh, de faire en sorte que le vrai nom de Klemovic en fait, c'est le roi Mercedes. Donc, euh, donc, on parle du roi Mercedes tout le temps. Tu vois. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On pourrait créer un sort magique, Mercedes. Quand on lance le sort, ils peuvent avancer euh, sur 10 km. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On peut avoir des débrandés euh, Mercedes. Ou euh, le, le tapis de dés, c'est des... Euh, voilà. Donc, euh, Deutsche Qualität. Ça, ce serait pas mal. Code créateur dans la boîte à gants. <laughs> voilà. Je, je, là, je pose la question, mais euh, si vous avez... Bonne idée en vrai. On a trouvé un sponsor pour encore. <laughs> on, on, on se bat pour... Ah, alors, Verdios, il est contre la pub déguisée. Après, <laughs> après si on dit on a un sponsor qui s'appelle Mercedes et euh, le roi du pays s'appelle Mercedes, c'est pas vraiment déguisé, mon gars. Hein c'est pas. <laughs> voilà, les dés, c'est stylé. Un sort, ouais. En fait, le problème du sort, le problème, <laughs> je veux dire, le problème du sort magique, c'est que si un sort s'appelle Mercedes, ils vont oublier de le lancer. Ils vont jamais le lancer. Comme ils oublient tout, tu vois. Et genre, 130 épisodes plus tard, ils vont dire Ah, mais c'est vrai, on a un sort qui s'appelle Mercedes. Et bon, le client ne va pas être content. Donc, euh... des chariots magiques. Ouais, ouais, mais si. si En fait, demain, Mercedes, s'il veut juste être intégré comme sub, il a qu'à subber, tu vois. Il a... Au, lieu de... Au lieu de sponsor, euh, il, a... il claque que 500 euros en sponsor il claque 500 euros de sub. Et tu vois, on le met en sub. Donc. Euh... Si c'est un sort bien cheaté, ils vont tout le temps... Alors, Yasmog dit, mais on n'a qu'à faire un sort bien cheaté. Genre, imaginons un sort, un sort qui téléporte, un sort Mercedes, tu vois. Mais le problème, c'est que s'il si est cheaté, ils vont défoncer le scénario. C'est ça, le truc. Alors, la quête secondaire, c'est pas mal. J'ai pensé à la quête obligatoire. Ça, c'est un, un truc. Mais... Euh, une animation en intégration dans le stream à chaque jet de Ouais, c'est pas con. C'est pas mieux de faire un one-shot pour une sponsor bah Alors, Marcel Patoulachit, très bonne remarque. Donc, que, si on prend une sponsor, c'est bien de tester, c'est bien de faire un one-shot, y compris pour le client, tu vois. Et il euh, y a cette idée de... Quoi <laughs> Les joueurs pourraient arriver en voiture au début. Les joueurs pourraient arriver en Mercedes au début, oui, d'accord. Euh, mais en fait, alors c'est une bonne idée, mais si on trouve un système, genre euh, le logo sur le tapis de dé... Euh, bah en fait après on peut l'utiliser pour n'importe quel sponsor ça c'est cool Game of Wall Mercedes ah ouais c'est vrai qu'on pourrait appeler euh, épisode 7 de point, euh, Mercedes Claire Shazam C'est ben. un, un personnage Mercedes qui est en fil le rôle de l'histoire avec un système de revival un Nemesis c'est le, le truc Samsung ah ouais mais ça ça c'était super drôle le truc Samsung une émission à l'intérieur d'une Mercedes Ouais, mais le problème de ça, ça c'est que ça marche pour euh, Mercedes, mais moins pour... Euh, tu vois, une émission à l'intérieur d'une Mercedes, je veux bien. On a, pour ce pour, 404, on a fait une émission à l'intérieur d'une Tesla, souvenez-vous. Mais... Euh, euh, le problème, c'est que ça marche pour Mercedes, beaucoup moins pour Red Shadow Legend. <laughs> La lettre O de Gore. Jotun, le plaisantin, appelé Mercedes. Ouais. Non, mais le problème, bakelit, c'est que Jotun, il va pas... Intervenir à chaque épisode. On pourrait faire un personnage. En fait, un personnage qui reviendra à chaque épisode, il faudrait que ce soit un personnage positif aussi. Si c'est euh, genre Mercedes, imagine le nain là avec les arbalètes qui s'appelle Drogan, qu'ils ont complètement zappé d'ailleurs. <laughs> euh, si c'est lui, le comment s'appelle, le sponsor, ça lui a dit Ah, oh, adibou tiens, on parle sponsor. Si c'est adibou tu vois, voilà, bah, le problème c'est que euh, si c'est un personnage négatif, c'est pas très bien pour le sponsoring. Le récap' sponsorisé par Mercedes. C'est pas con, ça. C'est bien parce que tout le monde regarde le récap'. Salut, Zach. Remplacer Eligios par un sponsor. Ouais, ouais mais bon, euh, ça marche. Ouais. Alors, j'ai pensé, j'ai pensé effectivement qu'on pourrait remplacer le fameux verbe perceptionner par euh, NordVPN, tu vois. Ou euh, Red Shadow, Red Shadow Légende, tu vois. Lance un, lance un jeu en Red Shadow Légende. Le récap c'est pas mal, mais on essaierait, on essaie de faire autre chose que de la que du récap quoi, voilà. Et puis aussi, en fait, il faut aussi que ça explique ce que c'est. Bon, c'est-à-dire que Mercedes, on sait que c'est une voiture, mais euh, Red Shadow Legend, qu'est-ce que c'est, tu vois Et euh, voilà. Pourquoi ne pas utiliser ce thème papier à tirer que tu avais monté lors d'un live Parce qu'ils ne sont pas allés assez vite, voilà. Ça c'est compliqué. D à trois faces, Red Shadow Legend. Pourquoi pas Le mot magique pour ah putain le mot magique pour relancer le dé une fois par séance, c'est pas con. J'invoque le pouvoir de Red Shadow Legend. Ah ouais, c'est très bien, ça. C'est une bonne idée. Mais en fait, en vrai, j'aimerais qu'ils aient un pouvoir cheaté et qu'ils l'utilisent quand les astres sont propices. Genre, à un moment, je dis vous pouvez utiliser votre pouvoir. C'est un... voilà. Et sinon, ça le fait à 20%. Mais ils vont quand même tenter. C'est ça qui est drôle. Des sorts au nom des sponsors. Ouais. Red Shadow Legend, ça fait un peu nom de sub, ouais. Ouais mais <laughs> des, des objets magiques, ok. C'est pas con hein. C'est ça exactement. L'intégrer à l'histoire en, en plein au système. Après effectivement si on fait un, un sort Mercedes magique et que le sponsor a dit euh, grosse déception, j'arrête de vous sponsor, ben je peux dire le sort magique qui marche plus. <laughs> c'est vrai que niveau cohérence univers c'est. Mais de toute façon vous le saurez hein. Puisque ce sera pas de la pub déguisée. Ouais mais regarde, imagine que Jabba. Ou la souris euh, sorcier parce que je sais que que ce soit le sponsor, <laughs> en vrai le sponsor qui paye, mais même 10 euros hein, pour la souris sorcier, c'est le pire 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 opé sponsor sponsoring parce que les mecs ils ont dit ah une souris qui s'est déguisée en sorcier, ils l'ont mis dans le sac infini et ils l'ont oublié tu vois donc euh... <laughs> voilà c'est euh... Mercedes et Janine en tant que PNJ pour un Cédar ouais pourquoi pas et ça ça c'est tu vois il faut vraiment euh, voilà, je sais pas trop, je sais pas trop euh, je sais pas trop comment on va faire. Voilà. je vous avoue alors j'ai un truc à vous dire c'est que si on a un sponsor pour la prochaine et ils sont en train de charbonner grave pour avoir un sponsor, on va on va avoir une séance qui va durer 4 heures je pense parce qu va se parce qu'on a prévu deux nouvelles intégrations euh, très euh, subtiles dans le dans le système et euh, voilà, ça va être compliqué mais bon. Une affaire de daze. Ouais. Des pins. Le rêve, 4 ouais. ouais, 4 heures. Des spin-off. Ouais, 4 heures, c'est très long. Surtout pour moi, je peux vous dire. Voilà. Après, vous, vous pouvez le regarder en plusieurs fois. Hein. Alors, non, je... non alors en fait, Jazz Mano, il y a des trucs comme limiter le sac à dos, limiter le nombre d'objets qu'on a en main, euh, limiter le poids des objets, tout ça. C'est bien, c'est réaliste, mais en vrai, c'est casse-couille à mort. C'est... Euh... C'est parce qu'en fait, je leur donne, je sais pas, un, un flamant rose magique, et ils en ont besoin, tu vois. Euh, qui a la place dans leur sac à dos Personne. Ok. Blanc, tu vois. Les gens regardent leur sac à dos, ils disent, ok, je vais enlever ça. Ah oh, putain, j'ai pas envie d'enlever ça. Tu peux le prendre, tu vois. Et ça va durer deux heures à l'écran, ça va être trop chiant. Donc on peut pas le faire. Ouais, c'est long pour les. Euh, Lorca, si tu veux sponsor Game of Roll, tu m'envoies un mail fibre-tigre at hotmail.com. Le sponsor est un génie qui réalise un vœu par épisode. Ouais, ça peut le faire. Mais, euh, voilà. C'est. Euh... <laughs> Les pièces d'or, c'est la chose qui est. Et encore, je, 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 je trouve qu'on s'avance un peu en disant tout ça. Donc voilà, je sais pas, c'est un, euh, un peu compliqué. C'est un peu. Euh, je vous avoue, c'est. Euh, la pause pipi est offerte par. Ouais, par NordVPN. Moi, ouais. bon, remarque, en vrai, intégrer de la pub au milieu. Pendant qu'ils font pipi. Voilà. Le logo du sponsor sur la mallette de DAS, putain. Ça, c'est une super idée. Qui a dit ça Surfer. <laughs> Je le note. Hein. Euh... Ouais, donc, euh, voilà. À voir. Le sponsor donne des sous in-game pour faire des missions bizarres. Ouais. Mais bah non mais vieux chaton je l'ai dit un pet, le problème c'est que euh, euh, c'est que risque de l'oublier. <laughs> ça va être le, le 300 millième pet, quoi. Voilà. La, ah non, la manette n'est plus au fond du dragon, Verdios. Tu n'as pas vu l'épisode en entier Les sponsors permet d'augmenter les skills sur un jet. Ouais, c'est une bonne idée ça aussi. Mais il faut qu'en fait... Salut Araignée, il faut, il, faut, il, faut, il faut que le sponsor il... ça soit cohérent. Mais je dois vous dire que le prochain épisode de Game of Thrones, c'est sûr qu'il va durer euh, 3 4 heures. Ça c'est certain. Je suis, en train de... je suis en train de la préparer psychologiquement. On a trop de retard, euh... on a trop de retard. <laughs> c'est pas que je veux terminer à euh, une certaine date, c'est que on a trop de retard. <laughs> le sponsor est Amazien. Hein. Ah ouais, Samsung. <laughs> Euh, les PJ savent que c'est le sort sponsor, ils vont au moins l'oublier, ils vont au moins l'oublier. Je sais pas trop. Ouais, je pense que je leur rappellerai. Non, mais ce sera peut-être un sort. Euh, genre il faut que tu prononces une, une formule magique. En fait, ça pourrait être cool. Qui prononce une formule magique, plein de fois, tu vois. Genre euh, ils, un peu comme césar, ouvre-toi. Mais à part qu'il faut, faut la dire tous en même temps. Et Ils comprennent pas pourquoi, tu vois. Donc ils te disent plein de fois, voilà. Donc ça, ça, peut être, ça peut être ça. Par le pouvoir de sponsor. Ouais. Toblyron, ouais. 100% Daz. Putain, Benny Show. Mais t'as tellement raison. Tellement Daz va citer le concurrent. Tu sais, mais même en plus, Daz, hyper gentiment, genre sans vouloir nier, tu vois, genre on est sponsor par Mercedes, il va dire Ah, Mercedes, c'est quand même beaucoup mieux que Fiat. Hein, parce que Fiat, c'est des petites voitures urbaines. Tu sais, et il va plus parler du concurrent que de la, que de la voiture. <laughs> voilà, donc ça, c'est euh, Carglass. Ouais. <laughs> il est tellement capable de ça. Mais bon. Voilà, donc euh, je réfléchis. C'est un gros problème. Euh, Bloody Mary. Alors, moi, la, la, la malédiction Bloody Mary me fait rien. Par contre, Astur, ça me perturbe plus. Mais bon. Sponsor soit la toile de fond, bah, c'est un peu. Euh, faudrait il faudrait qu'il paye beaucoup quand même. <laughs> je pense que MV, pour tout l'or du monde, il accepterait pas. Bref. J'ai un truc à vous dire très important, parce que demain on est le 28. Demain on est le 28, c'est l'anniversaire de Kratu. C'est aussi l'anniversaire d'une autre personne qui est dans ce chat. Je ne vais pas dire qui. Voilà. Enfin, statistiquement, vous êtes 276, donc euh, il y a forcément deux ou trois personnes qui vont leur avoir leur anniversaire demain. Et euh, le. Je vous avais dit le 28, on fait la Eldorfest et je vous parle du jeu vidéo. Euh, Aria et de la BD Aria, tout ça, et en vrai ça aura pas lieu, voilà, c'est mort. Et, euh, et euh, c'est quand le prochain Game of Thrones Le 5 mai, donc pas demain, mais dans 7 jours exactement. Voilà. Et euh, ouais, des interludes, moi je sais pas trop. Peut-être on pourrait faire des, des interludes en mode foxy, tu vois. Ça, c'est une bonne idée. Euh, pourquoi il y a eu des problèmes ben, En fait, on voulait le faire en vrai, on voulait faire en, en présentiel, tous dans le même studio. À l'époque, on a lancé Elder, Elderfest, ça s'appelle. Et on, on a un presta, on voulait envoyer... Je, je fais de l'asthme, hein, excusez-moi. On a un presta, on voulait envoyer des studios, euh, on voulait louer un studio, tout ça. Et ça n'a pas pu se faire parce qu'il ben, y a eu re le confinement, re le durcissement, voilà. Euh, juste je prends un petit peu euh, la température chez vous là. Euh, vous en avez marre du confinement, du couvre-feu ou euh, ça va Vous arrivez à... ça, ça, ça passe ou pas Voilà. Non. Ça vous dit rien. <laughs> Benjamin Diblin n'en peut plus, ras le bol. Ah il y a du... Minamiols nos soucis, mais lui il est au il est en... Ça passe. Ah il y a du... Il y a du... Ça passe. Yazmog il est à la limite. Le couvre-feu assez dur. Moi, je crois que je pète les plombs. Je crois que je pète les plombs, mais de façon ultra sereine. J'en peux plus de couvre-feu. Confiné du retour de Guyane. Bouclette, Bouclette, t'étais en Guyane, Salut Max. Ah bien, bravo. Mais ça me fait plaisir que tu sois MJ. Ça me fait très plaisir. Je suis fatigué. nous dit araignée, marre. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que je fais des euh, des lapsus lingués toute la journée. C'est-à-dire que euh, ce matin, j'ai dit à Kratu, moi, ça va pas du tout. Mais sur le ton de sur le ton de moi, ça va. Je, je, non, je voulais dire moi, ça va, tu vois. Euh, moi, en ce moment, le moral, ça va, euh, ça va, ça va, ça va, tu vois. Je, je, C'est-à-dire que j'essaye de de dire que ça va et je le pense en fait. Et en vrai, quand quand les mots sortent, ils disent l'inverse. Tu vois, c'est vraiment euh, c'est vraiment. Je crois que j'en peux plus non plus quoi. Ah les offres d'emploi mon, mon vieux en plus c'était chômeur quoi. Ouais. Marre des gens qui font n'importe quoi. Et en fait ils viennent te voir parce qu'ils sont positifs ou qu'il y a contact, ça c'est encore autre chose. Je sais pas, on va on va partir du principe que tout le monde est, met son masque et fait le couvre-feu, tout ça, on n'est pas là pour, euh, pour euh, simplement on a le droit de se dire que ce qu'on en a marre, quoi. Je suis pas en train de dire les gars on en a trop marre demain, allez, allez y on met pas les masques. Je suis en train de dire je suis en train de dire juste comment ça va, c'est tout. Et euh... alors Mysterion elle peut pas regarder les étoiles moi je, moi je les vois donc ça me fatigue pas trop et puis sinon je les regarde aussi la nuit dans Cyberpunk donc vous en avez marre c'est dur hein alors moi je vais avouer un truc c'est que je me balade une heure tous les jours, je fais 8000 pas par jour parce que voilà et je mets pas le masque à certains endroits parce que vraiment il y a personne à l'horizon il y a personne à l'horizon donc bon ça va quoi à un moment euh... mais sinon je mets le masque tout le temps niveau de fatigue et stress ouais moi j'ai du mal hein j'ai du mal à trouver j'arrive même plus à, à, à lire des livres tout ça je, je me sens devenir très con en fait euh, je me sens vraiment diminué intellectuellement quoi à Bar-le-Duc il n'y a pas grand oh, à Bar-le-Duc il, il y a en fait euh, là la Meuse on est euh, on est bien c'est à dire que souvenez-vous euh, en Meuse, euh... quand on vous dit En Meuse, il y a 200% d'occupation des lits. Sachez qu'il y a 5 lits. <laughs> donc euh, ça fait 10 personnes en rien. Hein, donc il euh, n'y a pas grand monde. Non, non. Mais, euh, on est tous vaccinés. Ça y est. On est tous vaccinés première dose. Euh, voilà. Et, euh... Ouais, ouais, on devient bête. Hein. C'est euh, fou. Hein. Ah ouais, BHL. Non, mais en plus, en plus tous les mecs de la télé là. Sans vouloir faire le complotiste euh, du. Euh... Du bar du coin, euh, ils ont quand même une vie qui est agréable. Moi, là, ce soir, j'ai mangé. Euh, je, me suis... je me suis fait une omelette dégueulasse. J'ai fait une omelette avec des oignons et de la tomate, tu vois. Et vraiment, c'était pas bon. C'était tellement pas bon que je l'ai pas terminé, alors que moi, j'avais faim, tu vois. Je suis, euh, je suis... voilà. Est-ce que ça m'amuse toujours de faire MJ dans Game of Rolls euh... La, la ban... Mes joueurs de Game of Rolls, c'est ce que j'ai de plus proche d'amis. ce sont mes amis en fait. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec eux. Et euh, j'ai beaucoup moins de pression qu'avant chez Webedia. Les gens sont très contents. On apporte du bonheur, ça me fait plaisir. Et euh, ce que j'aime pas, c'est être dans la routine. C'est-à-dire, j'ai mon scénario, je l'apprends, je le joue. Et là, là, les choses changent un peu. Vous allez voir, il y a plein de changements qu'on va faire. donc euh, En fait, il y a un changement, par exemple, il va y a un changement visuel. Qui n'est pas de l'ordre, on a changé le décor ou je ne sais pas quoi. Il y a eu un changement visuel qu'on a mis en place. Je croise les doigts pour la prochaine séance. Et vous allez voir, c est, c est, ça, dure, ça dure 4 secondes, mais ça a été beaucoup de taf et ça va être super. Et j'aime bien ça, j'aime bien, bien changer un peu les choses. Voilà. Eh Adibou, des bisous. Je t'oublie pas Adibou. Hein. Voilà. Quand ils ont confiné avec deux patients en rire. <rire> ah ouais, ah il ouais, n'y a pas grand monde. Mais euh... Non mais il y a, a qu'à voir que Kratu, elle, elle s'est proposée comme médecin volontaire pour vacciner genre elle est sur la liste des... et elle l'appelle pas parce qu'il n'y a pas de temps de besoin que ça. quoi. Non mais c'est sur... sur la route. Et euh, euh, Macron il a dit que tout le monde sera... sera vacciné au 14 juillet. J'y crois pas des masses, mais bon admettons. Euh, C'était un peu pour dire euh, parce que toute l'Amérique est prévue d'être euh, vaccinée le 4 juillet. Je vous avoue que en fait je comprends que l'Israël c'est pas pareil que la France. Mais quand on voit qu'en Israël ils sont tous vaccinés, qu'ils n'ont plus les masques, tout, tout est ouvert, tous les restos, oh, ça, ça me, j'ai beaucoup d'envie, tu vois. J'ai beaucoup d'envie. Eh Pompzer, tiens, t'es le premier sub du soir, ça me fait plaisir. Attends, ah, attends, j'active, mon mon super layout à sub, voilà. Et je ah merci Axel Rock, ça me fait plaisir de te faire plaisir parce qu'en plus je t'aime beaucoup, Axel Rock en particulier. Euh, non non mais Game of Thrones c'est bien et j'aime beaucoup faire du jeu de rôle et je suis même en train de songer à cet été, tu sais il va y avoir cette phase de juillet-août où il y aura pas de jeu de rôle, je me dis est-ce que je ferai pas du jeu de rôle euh, genre régulier Je demande à Gozulting de Oh c'est philo, merci beaucoup, c'est Oh Adibou Mais Adibou Et Adibou euh, Merci beaucoup hein, Mais euh, je sais que as... tu roules pas sur l'or mon gars, donc 1, 2, 3, 4, donc s'il te plaît, tu... tu gardes ton argent d'accord les gens qui sont, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont jeunes, un peu comme Adibou là, vous ne donnez pas d'argent, vous le gardez pour vous. C'est important. Bon, Adibou, je t'inquiète, je t'oublie pas Adibou, je t'oublie pas. Mais bien sûr, non seulement je t'oublie pas, mais en plus je veux dire un truc. La commu, elle t'oublie pas. C'est à dire que les gens ils me disent, c'est quand que Adibou revient. Je dis, ne vous inquiétez pas, il revient. En fait, il va y avoir des invités, ça c'est sûr. On est en train de voir comment le faire bien, tu vois. Et merci Yasmog. Et l'idée de le faire bien. L'idée de le faire bien, c'est aussi, tu vois, c'est pas genre allez, on rajoute un mec à l'arrache, tu vois, c'est l'idée on veut vraiment le faire bien. Donc euh, merci euh. euh, Adibou a, a participé à Game of Thrones, bien entendu, il a fait, il était dans la saison 4, et il était un personnage inoubliable. C'est c'est euh, un des un des grands de la de la saga Game of Thrones. Et il a pas été là genre une fois, tu vois, il a été euh, il a été un il a été un grand personnage. Et en plus, il a un personnage intéressant un peu Cheaté, puisqu'il était là, il était censé être là 4 fois, il, est, il, a, il a été là genre 10 fois, mais, euh, mais ouais, il était bien, il était bien. Et euh, c'était pas un sub rentable, hein, Mr. Yen, yeah! oh là, là 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 En plus, elle fait des si bons, euh, si bonnes tartes tatin. Euh, ouais, le prophète, génial, j'ai beaucoup aimé, très très drôle. Et euh, avec ce moment génial, j'en ai parlé l'autre jour sur Twitter de euh, Elle plante tout et Adibou Adibou qui est en slide tout, tout le temps en plus ouais bah la saison 4 elle a moins regardé parce que euh, elle est pas terminée déjà et euh, en fait pour tout vous dire euh, elle a la saison 4 qui est vraiment une de mes saisons préférées parce qu'elle elle est très aboutie elle était euh, elle est techniquement très bonne elle est dans le meilleur setting pour moi c'est une des préférées en fait il y a beaucoup de gens ont râlé et je n'en veux pas à ces personnes-là. Beaucoup de gens ont dit ouin ouin bah ben, il n'y a pas l'équipe habituelle. Voilà. Ouin ouin il n'y a pas Daz, il a été viré, vous êtes tous des traîtres. Yeah. J'ai une shitstorm et hey, ascobo. J'ai une shitstorm, non pas merci beaucoup hein. J'ai une shitstorm non pas de euh... bah de web ça mais de... genre de viewer. Attends, putain. OK. Bon, utilisateur anonyme, je sais pas qui t'es. Ah oh, putain, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ouah, wow, putain, 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, écoutez, j'ai presque gagné 50 euros. Sur... Merci beaucoup, euh, Initiateur Anonyme. Et sache que la véritable générosité, elle est anonyme. Mais j'aimerais bien savoir ton nom, tu m'envoies un petit message. Et... Euh, le... Ouais, ce que je vous disais, c'est... Euh... Euh, ce je... Non, non, bah, bah, alors, si vous voulez, si vous voulez regarder, euh, en fait, il y a aussi euh, Daz, vous savez, qui, était, euh, qui a été... Euh... Comment dire, qui a été, euh, qui a été dégagé par Webedia, euh, a raison. Est, est, enfin, je, moi, je suis plutôt euh, Team Webedia sur l'affaire Daz, mais il le sait. Hein. Et, euh, et euh, surtout que je ne peux pas dire qui, mais quasiment tout le monde en interne voulait faire revenir Daz. Tout le monde. Je, je parle des gens dans d'autres émissions, tout ça. Et on a manœuvré et. À chaque fois qu'on était là, Daz allait revenir. Daz, il sortait un tweet anti-Webby. Ah putain, mais bon, bref. Et donc voilà. Et malheureusement, quand vous allez regarder euh, saison 4, épisode 1 sur YouTube, il bah, y a des tas de commentaires de gens qui disent ben c'est cool, mais euh, voilà c'est pas bien parce que c'est pas bien parce que ceci cela j'aime pas, tu vois. Et donc effectivement, quand tu as une vidéo avec des commentaires négatifs, bah, les gens ils n'ont pas vu la suite et je le comprends. Et, euh, et vraiment c'était c'est dommage parce que je le comprends. C'est tout. Enfin, c'est tout à fait normal, cest à que les gens ils disaient. Tu vois, par exemple, tous les quatre épisodes ont changé deux personnes de la team. Et les gens disaient « Ah mais non, mais j'aimais trop, euh, trop les gens d'avant. Pourquoi vous mettez des nouveaux ?» Et évidemment, au bout de quatre épisodes, ils aimaient les nouveaux parce que les gens sont sympathiques. C'est des streamers, c'est leur métier, tu vois. « Oh là là, Bellard, merci. Deux de plus. Oh là là. Bah là, c'est bon, je suis au max. J'ai trop d'argent. Arrêtez de se baisser. » j'ai trop d'argent, j'ai plus de palier là donc euh, merci beaucoup Abelard pour tes deux trucs et euh, en fait, salut euh, Yanis et donc euh, voilà, et donc effectivement je le comprends, tu vois, on a envie, de, on a envie que dans la série télé il euh, n'y ait pas les gens qui changent moi, je pense qu'il y avait du potentiel, mais bon c'est euh, voilà. ouais, bah moi j'aime beaucoup la saison 4 mais elle, est pas, elle va se terminer bien entendu, et euh, bah oui, maxildan lui-même mais en fait, tout le monde voulait que Daz revienne, pourquoi parce que déjà, ben déjà de base, c'est quelqu'un issu des minorités visibles et euh, c'est important, voilà. c'est important que, pour l'image de la chaîne, qu'il n'y ait pas que des blancs à lunettes, euh, des clones de Julien Chiesque ou de, ou de moi, tu vois, avec des blancs lunettes barbuvieux ou des blancs lunettes sans barbu, euh, qui soit homme, qui soit à l'antenne, c'est très important. Après, c'est quelqu'un euh, ben, qui, est, qui est pertinent dans ses analyses. Il a une voix qui est bien, il est rigolo, il a de la punchline. Enfin, je veux dire, le mec. Euh, euh, il, 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 sans forcer, en fait, il pourrait être streamer, tu vois. Mais bon. Euh, et euh, voilà, donc... Euh, euh, ouais, <laughs> salut Jotun. Non, non, voilà. Donc... Euh, le prophète, le toucan Ouais, c'était drôle. Non, mais il y avait plein de personnages. Euh, pas le temps de s'attacher. Voilà. Bah, tu vois, Olexi, par exemple, c'est quelqu'un qui a pas aimé la saison 4. Moi, j'aime beaucoup la saison 4, mais on, on, vous inquiétez pas, la saison 4, elle aura une fin. On est en train de, de travailler dessus. Voilà. On, fait, euh, on fait une émission Game of Thrones par team d'influenceurs. Euh, Tex, toi-même, tu, sais, <laughs> toi tu sais que ça fait du taf. Voilà. Et encore, là, j'ai un truc qui m'est tombé ce soir. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé un, un mail. Euh, non, même pas, on m'a envoyé un DM. Genre, Gozulti m'a envoyé un DM. Euh, Fib, il faut qu'on ait une réunion d'urgence. Genre, euh, à 19h30, tu vois. Donc, envoyé mon, mon, il m'a appelé, là, et j'ai dû envoyer un petit mail. Attends, je vais dire ce qu'il a reçu, mon mail. Euh... Voilà, ok bref. Donc voilà, un train de live, tout à fait. Bah écoute, les gens sont hypés, les gens sont gentils. Hein. Non, il y a Il quelques... y a un anonyme, il n'a pas dit son nom. Il a donné 10 subs. Je sais pas qui t'es. C'est vraiment très cool. Je pense que c'est Jeff Bezos qui gagne trop d'argent et il prend des mecs au hasard. Alors je sais pas où... je... Euh, je veux dire que Je vais vous raconter une vraie histoire. Attention, ceci est une vraie histoire. Euh, vous savez que il y avait du... Comment ça s'appelle en fait, quand vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts. Un ouais, indexé sur, sur l'argent que vous faites. Et euh, une façon de, de, euh, comment ça de diminuer ça, c'est de dépenser de l'argent. Donc, des fois, il y a des gens qui dépensent de l'argent parce qu'il faut qu'ils dépensent de l'argent pour être en dessous d'un certain seuil avant la fin de l'année. Et euh, en fait, quand il a commencé à avoir des, euh, euh, des Kickstarter de jeux vidéo français, donc euh, on pouvait pas le faire sur Kickstarter au début Parce que souvenez-vous Kickstarter avant c'était que des entreprises américaines Même si par exemple il y a une entreprise Je vais pas la citer Mais il y, y a une entreprise française Qui a ouvert une filiale au Delaware Génie pour euh, Parce que Delaware c'est le Luxembourg de l'Amérique euh, Au Delaware pour euh, faire des Kickstarter Mais donc il y a eu euh, des euh, Ulule ou des choses comme ça Qui sont créées sur, 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 euh, sur euh, En financement participatif Et en fait tu avais des milliardaires du, euh, des milliardaires euh, du jeu vidéo français, parce qu'il y a des gens, ils ont gagné vraiment énormément d'argent dans le jeu vidéo en France. D'ailleurs, dans les années 90, c'était vraiment, ils avaient vraiment, ils avaient un problème, ils avaient trop d'argent, tu vois. Et en fait, ces gens-là, genre pour rigoler, ils, foutaient, ils mettaient des pledges à 10 000, euh, 10 000 dollars sur les, euh, sur les jeux français, tu vois, en anonyme, parce que ça les faisait délirer. Et, et alors, est marrant, ça les faisait délirer, tu vois, c'était. Euh, après, tu vois, le rencontrer ils c'est toi qui as mis les 10 000. Tu vois, c'était un peu dingue. Et. Euh, et, euh... Et donc, en fait, ça faussait complètement le game. Certaine... Alors, d'une certaine façon, c'était sain parce que ben, tu avais des jeux qui étaient financés. Mais d'une autre façon, c'était ultra malsain parce que, en fait, quand tu fais un financement participatif, tu essaies de le réussir. Donc, il y a certaines règles, tu vois. Et si, en fait, tu vois que tous les jeux, ben ils, font, euh, genre, ils sont à 50% de leur somme, un jour avant la fin, et tout d'un coup, t'as un mec qui arrive de nulle part qui fout la somme. Les gens disaient « Non mais c'est bon, j'ai compris ce que tu fais, en fait. T'as mis l'argent toi-même pour le récupérer derrière. » Et les mecs disaient « Bah non, c'est pas moi. Et, et, euh, » Et c'était un gars qui, venu de nulle part, enfin, un, hein, plusieurs, tu vois, qui, qui, qui faisait ça, donc c'était marrant. « Merci noïs je peux pas. Merci beaucoup noïs pour ton argent. Je suis déjà au sommet des paliers, je peux pas je peux pas faire plus. Salut Mimosette. Euh, donc, euh, bah, ça, je, je vous fais rire, ça me fait plaisir, voilà. Donc, c'est marrant. Ah bah, de toute façon... Euh on a tous. On a, on a, dans notre bon monde occidental, on a tous des problèmes de riches. Voilà. Simplement, ça dépend de, <laughs> de quel problème de riches. Moi, par exemple, j'ai un problème qui est je ne sais pas ce que je mange à midi. C'est vraiment un problème de méga-riche, tu vois. Je pense d'ailleurs, vous avez ce problème parfois. Vous dites qu'est-ce que je fais Est-ce que je me fais des pâtes Est-ce que je me fais. Tu vois, c'est un problème de riches d'une certaine façon. Donc euh, voilà, c'était un, un peu la. Euh, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Ouais, donc demain, il n'y a pas le Elderfest. J'ai acheté un jeu. Quel jeu j'ai acheté d'après vous C'est un, un jeu de con. Voilà, je vous le dis. C'est un, un triple A de con, j'ai acheté. J'ai acheté ça sur Xbox. Devinez. S'il y a un mec qui devine, je resub sur sa chaîne. Non, non, je vais pas faire ça parce que je ne sais pas faire. Voilà. Mais euh, vous allez trouver. Tiff, Tiff Simulator. J'aimerais, mais non. Putain, Tex, j'ai acheté The Crew 2. <laughs> oh, merde, bande de je, je Oh là là, c'est vrai, j'ai acheté The Crew 2. Je vous l'ai dit ou pas Je l'ai acheté, ouais. Ah oui, c'est vrai, merde. Oh, dans le... <laughs> je, suis... Ouais, je suis complètement con, on est d'accord. Euh, vous avez joué à True Love ou pas Alors, j'ai découvert... découvert que True Love 95, que, dont je... Que je vous ai rec... le jeu Hentai que je vous ai recommandé hier, True Love 95, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une critique sur GameFAQ qui dit c'est le meilleur jeu Hentai jamais créé. True Love 95, on peut y jouer en ligne sur navigateur. Donc, vous a même pas. Voilà. Euh, donc, euh... bref ce euh, crew je l'ai acheté voilà je l'ai acheté parce qu'il était à moins 75% sur, sur Xbox et je me sens sale tu vois vraiment j'ai une relation j'ai une relation avec Ubisoft comme certains ont une relation avec des sites porno un peu sales c'est à dire que tu vois euh, ils vont sur le site ils se branlent et ils sont pas fiers d'eux ensuite Tu vois. ils disent pourquoi j'ai fait ça et euh, ils essaient d'oublier ça et finalement, ils reviennent sur le site, genre, trois mois après. Et moi, j'ai ça. Vraiment, je... Comment ça s'appelle Je... Je... Tu vois, Assassin's Creed. Assassin's Creed, là, je l'ai pas fini. Euh... Comment ça s'appelle Valhalla. Et tu me mets devant, je pourrais vomir tellement j'ai trop joué à ce jeu et j'ai les mêmes animations, il se passe les mêmes trucs tout le temps et j'en peux plus, tu vois. Et il va y avoir le prochain Assassin's Creed qui va sortir, genre, Assassin's Creed à Rome. Et je vais dire, cette fois-ci... Je n'y touche pas, ça ne m'intéresse pas. Le jeu va sortir, je vais regarder des trailers, tu vois. Je vais dire, pff, ça m'intéresse, c'est encore la même chose, je ne vais pas l'acheter, tu vois. Et je vais l'acheter, et je vais m'en vouloir, je vais m'en vouloir, pareil, je vais m'en vouloir, et je vais y jouer, et à un moment, j'en n'en pourrai plus. C'est insupportable, c'est vraiment, mais vraiment, c'est insupportable. C'est euh, Et j'ai fait, j'ai acheté The Crew, non, The Crew 1, je l'ai eu gratos, il est vachement bien. Et j'ai acheté le 2. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça Pourquoi Mais voilà, parfois on est. C'est fou, hein Le jeu de Nautilus, ça me, me dit rien, je suis désolé. Je peux pas t'aider, Momo, oui, oui. Par contre, je pense à toi parce que j'aimerais bien refaire du euh, du euh, du XCOM, quoi. <laughs> ah, mais moi, j'ai acheté tous les Assassin's Creed. Tous Même le, le vieux jeu qui se passe dans le nord du Canada, qui est ultra pas sexy et qui est un des meilleurs, d'ailleurs. C'est incroyable. Où t'es un Templier, je sais pas si vous, vous mais, et je vais même vous dire je vais vous dire le, 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 à quel point je suis syndrome de Stockholm et euh, je suis perdu je, veux dire, je suis euh, je, je ne, il n'y a pas de rédemption pour moi c'est c'est je, je le dis mais j'ai du mal à le dire mais l'un de mes assassins creed préférés, c'est celui qui se passe aux états unis tu vois genre euh, celui où tu as un indien c'est mais et, et je sais qu'il est nul tu vois mais je sais pas pourquoi je l'aime bien je ah non mais la première Assassin's Creed n'a rien à voir avec le reste. Et après, après à, partir de, à, part, à partir de Origin, c'est encore différent. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Le 3? Bon, je, je parle pas du... Euh, un petit goût de reviens non. Un jeu qui a le goût de reviens-y pour moi, c'est Tomb Raider. Il est vachement bien. Le 3. Le 3 il est... il est pas... La 8, ouais. Bah en, fait, le 3, moi je le trouve... en fait, le 3, il a cette séquence incroyable euh, qui, qui présage le 4, où, où on est sur un, un navire. Et moi, elle m'a émerveillé. Moi, j'ai eu cette séquence où tu es sur un navire qui dure euh, genre 5 minutes. Vraiment, avec le, le bruit des haubans, la voile qui se gonfle. Toi, tu, tu tiens la barre, tout ça. Et t'as et, et, euh, et un mec qui te parle à côté. Et tu vois les navires qui arrivent au loin. Et vraiment, je me suis dit, c'est le jeu de pirates que j'ai rêvé de toute ma vie. Parce que je jouais beaucoup à Pirate Gold quand j'étais petit. Voilà. Donc. Euh... Et euh... l'énergie du plaisir coupable dans les jeux vidéo. Ouais. Mais. Euh... Bah ouais, un indien dans un jeu, ouais, pourquoi pas. Mais. Euh... Le taf sur l'ambiance historique. Euh... C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Y a... Disons qu'il y a une volonté, mais bon. Mais euh, sinon, ouais. Arrête, après, c'est des... des bons jeux. Je leur reproche une direction artistique. Euh pas Très poussé c'est à dire qu'il a... en fait l'idée c'est enfin, on peut pas dire qu'elle est qu'elle est elle, est, elle n'existe pas parce que par exemple dans Assassin's Creed Odyssey, les îles, euh... les îles des comment ça s'appelle, les îles des dieux, je sais pas comment ils appellent ça, c'est euh, les îles d'Elos, Mykonos, tout ça, elles sont elles sont vraiment euh... on a l'impression d'être au paradis quoi donc, euh... mais euh... ouais, moi j'aime bien euh... Assassin's Creed Black Flag, moi Assassin's Creed Black Flag. Black Flag, euh... aujourd'hui il a un peu vieilli, mais ouais il est cool. Mais j'ai du mal en ce moment les jeux vidéo, je veux vous dire. Parce que euh, je ne suis pas bien dans ma vie, donc... Euh... Enfin je suis pas bien, je suis bien dans ma vie. Je suis... En fait, je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Mais, euh... mais voilà, en fait, quand, quand tu peux pas sortir, que tu es crevé, que... que... je peux pas... Vous savez, moi je suis à mon compte, donc vous, vous êtes peut-être salarié, tout ça. Et moi, j'ai un je lance des projets tout le temps parce qu'il y en a qui meurent et j'ai un certain taux de rejet de projet. c'est à dire que en gros euh, trois projets sur quatre ils sont refusés et je suis content parfois je lance ce projet je dis on le fait par acquis de conscience et en fait le mec il dit non on peut pas le faire j'ai je voulais pas le faire en fait mais euh, là ça fait un an qu'on me dit non tu vois on me dit non et même on me dit non du coup moi je dis non à d'autres gars et quand j'essaie de m'associer à d'autres gars, les gars ils me disent non aussi parce qu'ils ont des noms de leur côté. C'est non partout. Si je vais voir la banque, je suis sûr qu'il va me montrer sa bite. Tu vois, genre, vraiment, c'est... C'est... Voilà. Donc... Euh... Ah, merci, Théodou. Théo, bah c'est bien d'écrire des scénarios, c'est cool. Non, mais surtout, t'as pas d'espoir, si tu veux. En fait, je sais pas vous, mais... Euh, moi, j'ai besoin de travailler sur quelque chose et en même temps d'avoir ce petit projet à côté et de me dire... C'est peut-être le projet qui va me rendre millionnaire, tu vois. Ou euh, multimillionnaire. Et, euh, et là, en fait, je sais que ça ne serait pas le cas parce que... Parce qu'en fait, il n'y a plus de millions, quoi. C'est tout. Il n'y a plus de millions. J'ai envie de... J'ai envie, envie, envie de, je sais pas, j'ai envie de voir... J'ai envie de dans une piscine ou d'être dans la mer. J'ai 15 000 trucs. Bah en fait. mes euh, activités, aujourd'hui, je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, j'écris à une illustratrice pour lui pitcher un truc. Je sais qu'elle va me dire non. Alors, tiens, alors j'écris à une illustratrice ultra à côté, Genre ultra à côté. Vraiment, elle fait des trucs magnifiques, tu vois. Et euh, c'est truc que c'est un peu une amie. Et on a un peu envie de travailler ensemble. Et euh, aussi, on, on s'est rencontrés aussi hyper tôt dans la vie. À une époque où elle n'était pas ultra-bankable, et moi non plus. Et on s'est dit, allez, on travaille ensemble. Et on s'est tous les deux regardés en disant... Est-ce qu'il mérite, tu vois <laughs> et, euh, et donc là, on se re-retrouve. Et euh, on a, elle est quand même beaucoup plus douée que moi. Donc, hey, Julien, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec Julien. Merci. Et euh, non, non, Pénélope bajou, elle est, hors, comment s'appelle Elle est, elle est, comment dire Elle est inaccessible pour un gars comme moi. Mais euh, non, 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 quelqu'un d'autre. Et donc. Euh, elle m'a dit, écoute, euh, ça Enfin, why not J'aimerais bien travailler avec toi. Euh, Envoie-moi ton brief, mais j'aurais pas le temps de le lire. Donc ouais, alors euh, Julien qui vient de me qui c'est le... le MJ de de Roll and Play, qui est une émission que j'invite à découvrir sur YouTube. Euh, voilà, c'est des gens qui font... Ils font du jeu de rôle, voilà, du même depuis plus longtemps que Game of Thrones d'ailleurs, je crois. Et, euh, et par contre, ils étaient full YouTube et maintenant, bah, peut-être ils vont être un peu Twitch. Voilà. Merci, c'est un. un, un oh merci Simpson. Et donc, j'ai créé cette meuf. Et au lieu de lui envoyer le brief du projet, genre, tu sais, le, le fameux euh, document Word ou truc comme ça, j'ai en envoyé un mail qui disait Pour toi, deux points, mail petit, sans pièce jointe. Donc, j'suis, déjà, j'suis, je sais qu'elle va le lire. Et dedans, je lui ai dit Juste, écoute, j'aimerais bien travailler avec toi. Le projet, c'est ça. T'as pas besoin d'en savoir plus. Réfléchis-y. Il a été refusé par machin, machin, machine. Elle, elle m'a pas répondu et euh, je pense que parce que, euh, elle, est, elle est au-delà du refus, on a rien à branler. Voilà, aucune chance que le projet marche. Bonne chance. Ouais. <laughs> donc, voilà. donc euh, voilà. Mais ouais, Roll Play, j'étais dans un Roll en plus. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait la pub pour du, euh, Do Not Feed The Troll parce qu'ils m'ont écrit, ils m'ont dit... Euh... Oui, c'est rien, mais le mec, il m'écrit, tu peux faire la pub sur ce truc. Je dit, ouais, ok, mais est-ce que tu en offres un pour la commu Ok, j'en offre un pour la commu, donc voilà. Voilà. J'ai organisé, alors alors, vous allez être très jaloux. Je suis désolé. J'annonce, j'annonce que vous allez être ultra jaloux, mais on a sélectionné quelqu'un, genre un mec comme vous, quoi, un nobody. Je <laughs> suis vraiment pas, pas gentil. On a sélectionné un mec comme vous et il va venir au prochain enregistrement de Game of Thrones, voilà. Et euh... mais pas en guest. Genre, il vient juste dans les coulisses pour dire bonjour aux gens, euh, tout ça, voilà. Et euh, non, alors en fait, c'est pas, pas, pas un vrai Nobody. C'est un c'est un mec qui, qui tient le compte Nershi, Game of Thrones. Et donc, euh, il va venir pour, pour faire, prendre des photos, tout ça. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, il m'a dit. Euh, il m'a dit. Enfin, euh, voilà, il est très content. Voilà. Mais, tout ça pour dire que. Tout ça pour dire que. <laughs> que. Peut-être on recevra des gens euh, quand tu auras plus de contraintes de masques, tout comme ça, ça pourrait être cool. Voilà. Non, non, mais il va être juste dans les coulisses en fait. Il m'a dit je pourrais vous faire signer des autographes. J'ai dit surtout tu vas nous, tu vas nous signer toi euh, ton attestation, mais euh, si, euh, si tu veux. Bah ouais, bah le, un pistonnet, certes, mais quelqu'un qui s'occupe du compte Nershi Game of Hall sur Insta, donc euh, non, on n'a pas encore de sponsor. Alors attendez. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Excusez-moi, je veux dire ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui. J'ai écrit à la direction de mademoiselle. Voilà. Et je leur ai dit, écoutez, je sais que la chaîne Mademoiselle YouTube, vous vous y touchez pas. Vous avez 400 000 abos. Vas-y, on peut pas publier Game of Thrones Mademoiselle sur ma, la chaîne YouTube de Mademoiselle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous dire sa réponse, mais euh, ça se passe bien, on avance. J'ai travaillé sur le scénario de Game of Thrones. J'ai également, comme tous les deux jours, parce que je suis un Asie, ne clippez pas. Euh, j'ai tous les, comme tous les deux jours, telle une horloge, j'ai fait un TikTok. J'ai fait un TikTok. Je fais un TikTok tous les deux jours. Pam, 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 pam. Voilà, c'est comme ça. Là, je suis très content parce que mes TikTok en ce moment, ils carburent à 100 vues. Donc, j'ai vraiment j'ai genre un abonné toutes les trois semaines. C'est vraiment c'est la dèche. Je suis sur le point d'abandonner. Mais voilà, c'est comme ça. Euh, j'ai travaillé sur. Euh... Ah oui, c'est un truc que je dois vous en parler aussi. Donc, cet été, il euh, y a un de mes jeux qui va être exposé, je ne sais pas où, à Nantes ou au Luxembourg ou en Suisse peut-être. Je ne sais pas. J'ai pas, pas le détail, de toute façon, je gagne pas beaucoup d'argent, donc je vais pas trop imprimer. Par contre, il faut que je, il faut que je le polish, donc c'est un jeu dans lequel on assemble des plantes et on peut leur donner des noms. voilà La compta, ouais, je la fais, je la fais sur TikTok de temps en temps. Euh, je suis en train de relire Antioch, une dernière passe. Euh, on a à nouveau l'ingénieur du son pour Game of Roll, donc j'ai dû faire un mail de, de liaison. J'ai écrit pour euh, Final Fantasy 14 et également, j'ai géré un truc pour le... Futur jeu vidéo euh, Game of Rolls, voilà. Donc euh, c'était du taf. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. et je considère que j'ai pas beaucoup bossé. C'est essentiellement des mails, voilà. Merci Valdoran. Euh, Final Fantasy XIV, oui je. En fait, euh, JB on fait des. Euh, on a fait deux jeux de rôle Final Fantasy XIV qui sont officiellement euh, sponsors et euh, et euh... Vous n'êtes pas au courant du jeu vidéo ARIA Bah j'en ai parlé quand même. Vous n'êtes pas au courant Alors, le problème c'est que j'ai dit c'est un, un petit jeu. Alors... D'ailleurs, l'équipe de création, elle m'a dit arrête de dire que c'est un jeu nul, tu vois. Mais c'est pas un Skyrim, d'accord C'est pas un Skyrim. C'est pas, pas, pas un The Witcher. C'est un, un petit jeu, mais très cool. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un, un jeu avec des éléments de RPG, avec beaucoup de narration. Derrière, il y a un très grand auteur. Il y a un auteur, genre c'est le mec qui a 400K abos sur le Twitter. Donc, c'est un, un gros auteur. Il est plus grand que moi, tu vois. C'est un mec, il est publié, il est fat, tu vois. Donc, c'est... Euh, et euh, donc, euh, voilà. C'est sous RPG Maker Non. C'est sous un logiciel qui est, qui est propriétaire. Propriétaire euh, et... Euh... Ouais, 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 ouais. Mais je ne suis, suis pas triste hein, en vrai. Je suis pas triste, mais euh, je suis fatigué comme vous en fait. Je suis fatigué. Fatigué de la vie. Mais ouais, non, c'est un bon jeu, je le dis. Équipe de développement, je serai fier de vous. Je vais être fier de vous. On va faire ce jeu, vous allez gagner beaucoup d'argent sur mon dos. Ça me fait très plaisir. <laughs> non, je vous taquine. Et, euh, et euh, votre jeu est bien. Et la commu, ils vont l'adorer. Ça va être trop bien. Voilà. Euh, donc... Euh, style premier Zelda ou Indiana Jones ah, j'aimerais bien Indiana Jones. Il y a 400 personnes... Ah non, il n'y a pas 400 personnes. Là. Non, non, je, je vais vous dire pourquoi je suis prudent. Vous, vous êtes des vieux. Hein. Les, les gens qui, qui sont sur mon Twitch, c'est des vieux. Mais... Euh, il y a beaucoup de gens plus jeunes sur... Euh, sur euh, Internet qui aiment bien Game of Thrones. Et en fait, quand j'ai commencé à parler de ça... Littéralement, premier degré, ils m'ont dit Ah oh, putain, mais un Skyrim, t'as trop raison. Et je les voyais se chauffer entre eux en disant Skyrim, c'est pas possible, mais si Skyrim, ça, ça date de 2011, maintenant on peut trop en faire des facilement. J'ai déjà dit Mais non, mais non, les gars, <laughs> c'est pas possible. Donc euh, voilà, c'est. Euh, euh, bah non, mais ouais, bah. Euh, moi en fait, je, effectivement, ce que je fais, c'est que je, je. On décline la licence sur plusieurs supports jeux vidéo. Euh, BD, tout ça pour que. Bien sûr, je connais SRAM. Bien sûr, on pourrait faire un jeu comme SRAM, par exemple. Voilà. Quand on est fan, on s'en fiche que ce soit du Skyrim ou du The Witcher. Ouais. Euh, merci beaucoup. Merci. Le RPG avec aventure. Très bien. Merci, monsieur c'était euh, ça, ça peut être un roguelike. On verra bien. Il est très beau. Non, mais il est très beau. Vous savez, je vais dire quelque chose. Euh, on a les illustrations de Papayou. On va faire du beau truc, tu vois. Mais. Voilà, c'est... Simplement, ce pas un triple A, c'est tout ce que vous voulez savoir, c'est Made in France. Donc c'est un, un truc qui est différent. Voilà, voilà ce dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Ouais, bon, on va faire un petit jeu ce soir. Donc à un moment, ils vont être rois, les héros. Et... Euh, c'est encore des petits, des petits papiers, à, des petits papiers à, à chercher. Et donc on va leur soumettre des cas. Et je vais vous soumettre un cas, d'accord C'est pour les tester, pour voir si ça va bien. Alors les cas sont... Le chef-d'œuvre, il n'y a plus d'amour. J'ai rien fait. Le pacifiste, plumage ou ramage, et rend l'argent. Ah, il y en a un autre, excuse-moi. Juste avant, rend l'argent, il y a Bolossage. Est-ce qu'il y a un, de ces, -ce y a un de, ces, de ces cas qui vous plaît plus qu'un autre J'ai rien fait, Bolossage, il n'y a plus d'amour, plumage ou ramage, rend l'argent. Le chef-d'œuvre, le pacifiste. Boulossage. Rends l'argent. Je crois que les gens aiment bien, veulent rendre l'argent. Attendez, je regarde ce que c'est que rend l'argent. Alors, rend l'argent. D'accord, on a compris que vous vouliez rendre l'argent. Alors, c'est quoi rend l'argent Ah donc, vous êtes, jeu de rôle, vous êtes roi de Mirabilia. Et vous avez deux personnes, on va dire Fauchevent, qui est un vagabond, et Mysterienne, qui est une seigneuresse de la merveilleuse Mirabilia. Elles viennent devant le roi ou devant euh, Archibald ou qui voulait, en tout cas devant vous. Et elle dit, <laughs> Mais en fait le vagabond, Fauchevent, il a trouvé un trésor par terre. En fait, il a trouvé un trésor dans une poubelle. <laughs> Euh, dans une poubelle et euh, c'est un trésor, c'est genre une statue en or qui vaut 10 000 pièces d'or, tu vois. Et personne ne sait à qui, euh, à qui appartient la statue. Mais la seigneuresse des terres dit Attendez, écoutez, euh, c'est mes terres, tout ce qui est sur mes terres m'appartient. Si ça appartenait à personne, il faut que ça soit à moi. Donc vous êtes le roi, est-ce qu'on donne la statue au vagabond ou à la seigneuresse Voilà. Pas... C'est ma poubelle. Et non, parce que même si c'était ta poubelle, si t'es dans la poubelle, normalement, ça t'appartient pas, mon gars. Je crois. Hein. Dans le doute, ça revient au roi, à moi. On la coupe en deux. Ah oh là là, on a, on, a des, on a des salomons. Et non, on peut pas la couper en deux, c'est ça le truc. <laughs> On la confuse. Que je... Non, parce que la seigneuresse non plus ne sait pas. La seigneuresse, quoi à la Seigneur On donne un poste au vagabond. Bah, le, le vagabond, tu, le, tu lui enlèves 10 000 pièces d'or quand même. 50-50. Hein. On ne peut pas la couper en deux, Don Juan. Arrêtez. Au scénariste. Un duel. À... On la donne à Villemolin. <laughs> Le vagabond la garde et il doit un service à un service dix pièces d'or. Vous êtes fou quoi. On demande à de donner de l'argent pour dédommager le vagabond. Bah non elle elle conseille. En fait vous pouvez arrêter de faire les compromis. Vous êtes quoi là? Il faut, ça appartient à l'un ou l'autre. Il faut le justifier par un raisonnement. Tu vois c'est pas genre au pif. Tu vois c'est quoi votre raisonnement? mousse il a envie qu'il a envie qu du sang. Hein. C'est au roi, c'est la loi. Salut Jotun. Mais aux elfes de la comtesse, on n'en a pas besoin. Non mais Marcel Patoulachi, Bartel Patoulachi le communiste. On est on est, on est dans, une, dans un endroit où il y, a, il y a un roi à la seigneuresse pour que l'argent circule dans le royaume. Ah, il y a des gens de il y a des, il y a des communistes, et il y a des libéraux. C'est l'inventeur. Clairement l'inventeur, donc le découvreur. Les choses abandonnées n'ont plus de propriétaires elles sont susceptibles d'appropriation frauduleuse. Araignée du soir arrive, donc ce n'est pas du vol. Donc en fait. À quoi ressemble la poubelle En fait, c'est un tas d'ordures, si tu veux savoir. Une statue Quelle statue Ah, les gens, ils veulent les détails. C'est une statue qui ressemble à. En fait, c'est un, comme, comme un, un moai de l'île de Pâques, mais en petit. Et il a des mains sur les côtés comme ça. Au vagabond, si c'est dans une poubelle, c'est que la personne qui l'a mis a abandonné sa propriété. <laughs> Xmooth, il veut vraiment faire. Un... <laughs> si le vagabond n'a pas caché son bien, tant pis pour lui. <laughs> Elle se parce que c'est la bosse. Sinon, il suffit de jeter une bourse dans une poubelle pour pouvoir la garder pour soi. Ouais. Bon, vous savez quoi Maintenant que vous avez bien dé débattu, on va faire un petit poll. Alors, on donne, on donne la statue à qui La seigneuresse, le vagabond. <laughs> on verra. Mais rechercher la légitime propriété. Personne ne l'a trouvée. Et je crois que personne n'a envie de la trouver. Ah En fait, il y a tous les gens de droite qui sont là depuis toujours sur mon stream qui sont... Après, clairement, le au musée du coin, c'est une option. Voilà. Donc, on va sur un petit 75-35. Ouais. Vous êtes plus vagabond, en fait. Après le vagabond, on ne fera pas autant chier, la seigneuresse. Ouais, ah c'est bon. C'est bon, ça. Salut à Dibou. Bisous. Merci encore pour tes subs. Ça reviendra au peuple, hein. Euh, donc, et bien écoutez, vous voulez donner au vagabond, on verra bien. Bon, sachez que c'est quelque chose dont on parlera euh, mercredi, pas demain, mais le prochain. Donc, euh, aiguisez vos arguments parce que euh, on demandera l'avis du chat. Les matrixés du ruissellement. Ça reviendra. Le ruissellement. On, on a testé hein, le ruissellement. Je crois que tout le monde a testé et il n'y a rien qui a les Moi, je peux vous dire, je suis sous la gouttière, il n'y a rien qui tombe. C'est la sécheresse. Voilà. Donc, euh, bref. Euh... Oh là là Brick, bah, Brick Mitri, merci beaucoup. Donc, euh, 5 abonnements. Bah, là, ça ruisselle. Hein. Je, peux pas, je peux pas augmenter j'ai trop d'argent. J'ai trop d'argent. Merci beaucoup. Miles Davis, bonsoir. Le vagabond n'a pas d'existence, donc je le tue. Je garde tout pour moi. La duchesse, très bien. Miles Davis. On a un fou furieux. Ouais, on verra bien Archibald. Archibald déjà, il va dire, écoutez, je la garde. <laughs> que fera le vagabond de cet argent Merci beaucoup, Brickmitry. Merci. Ma... Alors, bref, on n'est pas là pour parler politique. Je voulais terminer sur deux choses. Euh, J'ai regardé un animé et un film récemment. Je ne vais pas vous les faire deviner parce que euh, sinon ça va durer trop longtemps. Mais euh, j'ai regardé Food Wars. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé Food Wars Je ne conseille pas Food Wars, mais est-ce que vous les regardez ou pas Brickmitry dit évidemment. Non, oui, yes, oui vite fait. Il y a encore des gens qui sont sur le <laughs> Moi, vite fait. Alors moi. Euh... Je veux, pas, écoutez, je veux pas faire le féministe, d'accord Je suis pas euh, féministe. Mais, virgule, mais. Euh, l'hypersexualisation des personnages, j'en peux plus. J'en peux plus. Si vous voulez, moi, quand je vois un, un truc sur la bouffe, j'ai envie de voir de la bouffe. Pas des petites culottes et des, des gros seins. Et quand j'ai envie de voir euh, de l'hypersexualisation, bah, je vais sur Pornhub, tu vois. Et, euh, et en vrai, euh, j'ai regardé les deux premiers épisodes. Et euh, ça va quoi. Je dire, euh, moi ça me, ça me fatigue sérieusement. Enfin, j'aurais aimé voir un, un truc sympa sur la bouffe. Mais. Euh, ah, Tchernobok regarde Food Wars en famille. D'accord. Excusez-moi. Mais euh, moi, moi Yakitate, je trouve ça hyper drôle. Yakitate, il y a parfois des. Euh, on va dire des. Euh, des petites suggestions euh, sexuelles. Mais putain, Food Wars euh, épisode 1, euh, c'est chaud quoi. Hein. Voilà. Et. Euh, alors, je comprends qu'il y a la sensualité de la nourriture. Merci. Merci, cette t-shirt m'a coûté 8 euros à Primark il y a 4 ans. Mais. Euh... <laughs> Et. Euh... Ouais... ouais, non, mais ça dépend, tu vois. Prison School, c'est pas hors chart, tu vois. Mais. Euh... Food, Wars, ça... Food Wars, ils ont un truc. C'est. Un... un... En plus, la... la bouffe, elle fait un peu envie, tu vois. Food Wars, ils ont un truc qui est le shonen de bouffe. Il n'y a pas besoin, en fait. Et. Euh... Bref. Il y en a énormément au début, ça se calme vite un peu. Bon, d'accord. Voilà. Bref. Euh, les gars aussi sont sexualisés. Bon, j'ai pas trop regardé. Mais je pense que je regarderai pas plus. Je cherche un bon animé et j'en ai pas vu depuis. Euh... Alors j'ai beaucoup aimé Jojo's Bizarre Adventure. Et en fait, en, en ce moment, j'ai envie de regarder Kenshin. Mais euh, voilà. Merci, Credonidas. Ouais, la bouffe donne assez faim. Ok. D'accord. Alors, Baki, euh, Baki j'ai tout lu de Baki. Baki c'est compliqué hein, parce que alors Baki c'est pas de la sexualisation mais il euh, y a je dirais que c'est de l'horreur anatomique c'est euh, parce que des personnages très musclés genre trop genre ils ont trop de muscles c'est euh, voilà donc il euh, y a des gens qui ont ouais, je pense que je pense que je rentre dans ma phase vieux con où euh, ou je regarde des animés que quand j'étais petit Quoique... L'autre je suis dit, tiens, si je regardais Evangélion, je vais dire un truc affreux. Si je regardais Évangélion, et j'ai regardé genre un petit passage d'Évangélion, je me suis dit, ça vit quand même, hein. C'est un peu... Euh, ça manque de détails. voilà Donc... Euh, mob psycho, ouais, ça me fait un peu envie. Bah, Golden Camus, j'ai commencé à lire le manga et je trouvais ça bien. Mais c'était... Euh, franchement, c'est bien Golden Camus. Et si j'ai... Si j'avais pas vu... Mais c'est Another... Euh, Another, euh, et, euh, journal de guerre. Euh, il, est, il est cool, hein, mais il manque un truc. Enfin, j'ai pas réussi à. Je, voilà. Mais je considère que c'est de la bonne qualité. Voilà. Ouais. Je sais pas trop. Bah, je sais pas. Je pense que. Après, euh, quand j'ai commencé à regarder Sword Art Online, j'ai vraiment kiffé. Et j'étais ultra content parce que Soir d'Internet, bah, pas d'hypersexualisation. Et aussi, ça parlait de jeux vidéo, mais bien. C'est-à-dire que ça parlait bien de jeux vidéo. Genre, euh, c'est la première œuvre de fiction audiovisuelle que je vois qui parle du jeu vidéo correctement. Et j'inclus dedans Tron, que je trouve qui, qui est très bien, mais c'est un peu une fable. Et euh, Hot Taxi, Claymore, j'aime pas. Désolé. <laughs> euh. Voilà, donc, euh... aussi... j'ai regardé un autre film sur, euh... j'ai regardé un film sur Amazon Prime qui s'appelle Ouais, Ice Shield. J'aimerais bien parce que j'adore trop les dessins. Ouais, je sais que Dodo et Doro c'est trop bien. J'ai pas le time pour ça. Non, en fait, j'ai envie. En fait, je vais vous dire pourquoi je voudrais voir des, euh... je voudrais voir des, des mangas avec des héros positifs et des histoires cool, tu vois. Ce qui, fait, ce qui fait plaisir dans JoJo's Bizarre Adventure c'est qu'à un moment il s'énerve et il frappe tout le monde, tu vois. C'est bien, vois, ça se dit bien. <laughs> voilà. Je vais pas avoir. Euh, donc, Et en film j'ai regardé récemment sur Amazon Prime euh, Galaxy Quest. En enfin, fait, je l'ai re-regardé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Galaxy Quest Il est trop bien. Trop, trop bien. Avec notamment dans Galaxy Quest, il y a euh, le mec qui joue Snape. Qui joue le shérif de Nottingham, là. Et qui joue presque son propre rôle. Hyper drôle Galaxy Quest. Hein. Et euh... Alan Rickman. Alan Rickman qui joue son propre rôle. É énorme. Genre en fait il en fait quand il jouait tu sais il joue une sorte de Spock qui en a marre tu vois il dit mais moi j'ai joué Richard III pourquoi je joue Spock tu vois et j'ai trop pensé qu'il devait se dire ça quand il jouait euh, le professeur Rogue dans dans Harry Potter tu vois il devait se dire Putain, mais tout le monde me connaît parce que je suis rogue alors que j'ai joué Richard III à Londres tu vois et euh, c'est euh... Alan Alan Rickman la scène la scène de sa mort dans Robin des Bois avec euh, Kevin Costner tu sais, il dit un moment il dit je vais lui arracher le cœur à la petite cuillère tu vois il s'énervait mais la scène de sa mort qui dure deux minutes où le mec il est poignardé il a tu vois, il est là il va vers le et tout elle est incroyable <laughs> elle est incroyable euh, Galaxy Quest il est hyper drôle et j'adorerais une série Galaxy Quest. Voilà. Rickman dans Die est bien aussi. Il est bien parce qu'il joue bien le héros minable, en fait. C'est euh, euh, Le héros... Euh... Tu sais, il joue vraiment le, le méchant gargamel, tu vois, qui... Le, le, le méchant pour enfants. Il est vraiment chouette. Donc, euh... ouais. Putain, il y, y a... Mon voisin qui est en train de frapper les murs, je sais pas quoi. Ouais. Bah après, Robin des Bois Ken Costner, ça, ça vieillit, hein ça ouais il ouais, y a un petit tremblement de terre t'as vu là, en bas non non mais ça ça, ça, ça ça tape un peu en bas ouais mystère je sais pas pourquoi bon. il est dans Swinethod j'ai pas vu Swinethod heureusement. la scène de mort dans Dayard ouais elle est cool aussi est... entre nous c'est lequel le meilleur Dayard je je peux pas choisir entre les trois premiers moi. le premier le premier le premier toi tu sais lequel préféré ton euh, oui, oui, oui. Dayard t'as vu le 1 et le 2, Je sais pas, celui a pensé, le, 2. le 2 ouais Avec le, 3. le 3 il est trop bien ouais, tout le monde dit le 3 le 3 est génial t'as le 3 ou euh, t'as comment ça s'appelle Zeus là c'est qui c'est qui l'acteur Zeus quand il a commencé à faire uh, Samuel L. Jackson c'est la première fois qu'on l'a vu faire ses yeux là Tu les yeux de, les yeux de de Vénère ah Dayard c'est trop bien trop bien et euh... Mais le, le 1, ce qui est cool, c'est que, souvenez-vous, hein, comme disait la princesse Hirulan, le commencement est une chose délicate. Avant, avant qu'il y ait le 1, il n'y avait rien. Tu vois Et tout d'un coup, il y a eu le 1. Et pour moi, ça a été un, le, pour moi dans le film d'action, si vous voulez, Jason Bond, il a révolutionné le James, le James Bond. C'est-à-dire avait, on avait vraiment un, un héros très classique, séducteur, classe. Euh, dans les James Bond, tout d'un coup on a eu Jason Bourne et ça a créé Casino Royale, c'est-à-dire un héros nerveux, euh, qui se bat, qui fait du parcours, tu vois, un peu violent, euh, très efficace. Et euh, pour moi c'est pareil, on avait des films d'action dans les années 80 qui étaient très, euh, Chuck Norris arrive en ville avec deux flingues et tue tout le monde. Et tout d'un coup on a eu euh, ce concept du flic vachement, euh, vachement vulnérable et qui, qui est couvert de sang à la fin de la nuit. Quoi. Voilà. Donc, à euh, loin et bien je trouve. La mémoire dans la peau. Euh, Jason Bond n'aura jamais existé sans les James Bond de Timothy Dalton. Bah non, Fleflelix, -fle 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 puisque c'est un, un livre. C'est. Euh, bah, c'est s'appelle La mémoire dans la peau, il date de 78, le livre. Non, non, de. De Ludlum Il est pas de Clancy Ok, Ludlum. Ouais. Ouais. Et. Euh... Bah, si, c'est mignon quand même. C'est un peu violent, mais il n'y a pas de scène euh, gore, tu vois. Mais c'est euh, des gens qui se tirent dessus, quoi. Ça, c'est sûr. Usual Suspect, j'aime pas trop. Ouais, je, suis un, je suis cet affreux Jojo qui aime pas trop Usual Suspect. Je suis... Alors, je l'ai vu, et comme vous, à la fin, j'ai dit, Waouh, trop bien, tu vois. C'était mon premier twist, ending. Euh, incroyable. Et en fait, ce que j'aime pas dans l'affaire de Usual Suspect, j'ai un pote, en fait, mathématicien, <laughs> qui m'a parlé d'Usual Suspect, et il m'a dit, mais en fait, le. Je que c'est l'histoire d'un mec qui raconte une histoire fausse à un autre. C'est ça l'idée. Et comme il raconte une histoire fausse, en, en fait, tout ce qu'on a vu n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'il aurait pu mentir de bout en bout, et c'est pas très intéressant, je trouve. Voilà. Et euh, bref. James Bond, c'est le de papy. Die Hard, c'est notre génération bah pas vraiment hein. aujourd'hui pour les jeunes James Bond il est bien et euh, Bourne ça, ça date des années 2000 hein. moi Jason Bourne il a fait quelque chose de merveilleux pour moi <laughs> je peux le raconter ou pas oui, c'était dimanche soir j'étais malheureux savez que le dimanche soir je suis hyper malheureux et j'ai mis TF1 on devait être en 2002 et là il y avait Jason Bourne à la télé j'ai dit c'est quoi je déprime je vais regarder Jason Bourne et en fait ça commence et la première scène elle est à Toulon et je suis hyper content et je dis et en fait tu vois Matt Damon qui prend le train et il va, je sais pas, à Genève et après il va à Paris, il vit dans le 5e arrondissement. J'ai dit, mais attends, c'est un James Bond qui se passe dans le 5e arrondissement C'est trop bien, ça me fait trop habite, Je crois qu'il habite rue des Jardins, un truc comme ça. C'est trop bien. Et euh, voilà. Et euh, alors, le prestige, j'ai beaucoup aimé. Voilà. La magnifique gare de Toulon. En fait, pour être, pour être véridique. Jason Bourne le film et le jeu vidéo d'ailleurs se passe à Marseille au début mais dans le bouquin il se passe à, à Toulon donc ça me... voilà je trouve ça bien bah moi Avenger alors ça dépend de quel Avenger tu parles, est-ce que tu parles de chapeau blanc et bottes de cuir ou les Avengers moi, je... moi Marvel je suis, je suis incompétent j'ai vu X-Men je crois que j'ai vu Captain America et euh... et j'ai vu Iron Man 2 voilà et euh, j'ai kiffé voilà, c'est les trois films que j'ai vus et tout le reste je euh, je peux je peux pas dire te... ah si j'ai vu aussi avec Kratu moment inoubliable Suicide Squad <laughs> avec un mec qui s'appelle Captain Boomerang <laughs> dont le super pouvoir est de lancer des boomerangs et si il y a un vieux mec je sais pas je sais pas si tu te souviens il lance des câbles et il meurt en deux frames c'était affreux est ce film <laughs> Mais ouais, c'est ça. Et en fait, Captain Boomerang vient d'Australie. Ah ouais. <laughs> non mais, <laughs> Captain Boomerang, sans déconner. Et euh... Et euh... Ouais, Suicide Squad. Est... Et Katana, qui a un katana. Slipknot, voilà. Et il euh, y, a, y, a, y a aussi euh, Will Smith qui joue euh, le mec qui tire une balle, qui rebondit plein de fois et qui tue le mec. Je sais plus, mais est sûr a, est... Et souvenons-nous du Joker qui est ultra moche. Voilà. Moi, le Joker, alors... Euh, Ouais. Le Joker dans Batman 1, il m'a terrifié. J'étais jeune, hein. je l'ai vu au cinéma, en 1989. Et euh, j'ai trouvé terrifiant. Et je suis allé voir aussi l'autre, là, euh, avec le pingouin. Mais terrifiant. Je ce... sais pas, j'avais 13 ans, tu vois. Moi, ça m'a terrifié. Je, je... C'est pire que ça pour moi. C'est euh... ouais, Jack Nicholson. Euh... Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, bah, après, Tim Burton... Il was, he was born to make uh, Batman. C'est, euh, il a, il a révolutionné Batman. Avant, avant Batman Dark, il y avait le Batman violet, quoi, <laughs> qui faisait ouais, pong. Un livre sur le Batman, ouais. Euh, D'Adam West. Ouais. Mais après c'est marrant parce qu'avec George Clooney ils l'ont un peu, euh, ils ont un peu adouci. Ils ont dit c'est quoi, on a qu'à faire des films pour les enfants maintenant. Mais euh, les Batman de Burton, ouais. Les animés sont pas mauvais. Il y, 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 y a un podcast si vous aimez Batman qui s'appelle Previously euh, de Alain Carazé. Je sais pas, euh, ceux qui connaissent, qui connaissent, voilà. Alain Carazé, c'est un grand nom, tu vois, de la, de la critique euh, de la série sur Batman. C'est un double podcast. Ils font tous les films, toute la série, tout, mais depuis le début, genre depuis euh, le premier truc en noir et blanc, plus le, le dessin animé. C'est incroyable. C'est hyper intéressant. Ça dure deux heures. Voilà. Et euh, les jeux Batman, ils sont incroyables. Les, les trois, les quatre jeux Arkham, ils sont super. Et il euh, y, y a un, jeu qui est moins bien aimé que les autres, qui s'appelle Batman Batman Arkham Origins, et je l'aime beaucoup parce qu'on a, c'est la première rencontre entre Batman et le Joker, et c'est très drôle parce qu'il y a il y a des meurtres qui sont commis à, Ar à, Bat à Arkham, enfin, à, comment s'appelle la ville Gotham City. Et euh, il s'est c'est le joker qui le fait et il ne, il ne connaît pas le joker tu vois il dit euh, c'est un fou euh, et on, on, il essaie de le cerner je trouve ça très intéressant voilà, voilà ils sont tous bien le dernier il est un peu long mais j'aimerais bien le streamer en entier mais vous avez vu euh, le comment s'appelle euh... enfin on peut pas le streamer en fait jusqu'au bout ils, ils ont ils ont ils ont enlevé le stream pour la fin quoi donc euh, c'est un jeu qu'on peut pas streamer en entier euh, le joker de dark knight il ouais. y, y, y a des bons trucs et c'est le directeur artistique c'est un français donc c'est cool bah Origins c'est pas mal. Et Origins en plus il se passe à Noël. Attendez que tous les autres ils se passent à Halloween. Et euh, il se passe à Noël. Et il y a un Carol of the Bells euh, version euh, Joker. Très 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 beau à écouter. Voilà c'est mon petit point euh, musique de jeu vidéo. Bah, le Batman de Océan sur Game Boy je le trouve très bien. Je vais vous dire quelque chose qui est, qui est hyper intéressant. C'est que euh, dans donc Batman, ça reprend Batman euh, du 1. Et dans ce, dans ce jeu Batman, qui est un jeu en side scroll 2D, on, on peut tirer sur des ennemis avec le Batarang, où on peut utiliser le Bat-Grappin sur l'ennemi. Quand tu, tu utilises le Bat-Grappin sur l'ennemi, c'est que tu le touches, tu vois. C'est un, une sorte de Super Mario, c'est-à-dire que le sprite, il tombe. Et voilà. Et il se trouve qu'à la fin, le Joker, il monte dans un hélicoptère au dernier niveau, dernier moment, quand tu as joué des heures et des heures. Et si tu le tires dessus avec le, le Batarang, tu ne peux pas le tuer, parce qu'il monte, tu vois. Et le seul truc, le seul moyen de le tuer, c'est de lancer un bas de grappin transversal euh, diagonal haut. Et j'ai trouvé ça ultra fort, parce que dans le film, il le tue avec le bas de grappin aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise le bas de grappin pour le, pour, le, pour le rattraper à la toute fin. Et euh, j'ai trouvé ça très, très fort, parce que, en fait, ils avaient une contrainte de gameplay qui était très rigide. Et ils ont réussi à intégrer un mécanisme du film. Et j'ai trouvé ça, pour moi, c'est un... une masterclass. Alors, tellement dur, mais tellement bon. 13 le jeu vidéo il était très joli. C est, il est un peu... Je, je dois l'avoir là en plus. Mais sur ps 2 je l'avais. Donc euh, excusez-moi de vous. Voilà euh... bon, les CPC 6128. Moi j'avais un PC 1512, donc c'est un autre délire. C'était en CGA. Voilà. Mais euh, on, fera, on fera des vieux jeux à un moment, promis. Je suis un petit peu fatigué, mais. Euh... Je suis désolé d'être si fatigué de... Bref. En tout cas, je suis content de vous parler ce soir. J'aurais plein de choses à vous dire demain encore. Ne partez pas tout de suite. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on raid Poulpe Non, ouais. il, a, il est trop connu. Benjamin Code, je sais pas qui c'est ce mec, qui a codé le plus beau site, ça peut être sympa, ça peut vous plaire ça. Il euh, y a aussi what the Dub avec Babord l'éléphant. Ah non, mais il est avec Poulpe et ses amis. Bon, je sais pas. Vieux rigolo Silver, voilà. Est-ce que je referai du Cave of Code très, très, peu, très, peu, probable. J'ai envie d'avoir des viewers quand je, quand je stream. Voilà. Il euh, y a Daz aussi Je vois pas. Où, il est, ce, où il est ce petit coquin de Daz Ah il est sur Valheim, allez. Allez je vous laisse avec Daz qui va, qui va faire de belles choses. Vous lui faites des bisous de ma part. Et euh, bah Daz c'est mon associé, je ne peux pas ne pas le raid, hein, on est obligé. Voilà. Donc euh, faites-lui des bisous de ma part. Je vais aller dormir. Je vais aller dormir 12 heures et me lever demain matin en pleurant. Voilà. Euh, <laughs> tout va bien, non, non je le plaisante. Demain est un grand jour. Je vous fais des tas de bisous. Salut. Est-ce qu'il est sympa dans la vie Moyen. Daz Moyen. Il faut le... En fait, en vrai, dans la vie d'Az, il est très proche de ce qu'il est dans, dans Game of Thrones. Il ne joue jamais de rôle. Allez, je vous fais des bisous. Je, je, je l'adore. Bisous.